Alors, j'ai réfléchi sur le mot constitution. C'est un mot d'ailleurs assez ambigu, puisque on dit se constituer prisonnier. Et donc, quelque part, créer une constitution, c'est se constituer prisonnier du nombre de règles qu'on pose. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer, d'avoir à constater à quel point nous sommes prisonniers des constitutions et du droit. D'un côté, nous sommes prisonniers du droit, paradoxalement, puisque en même temps, c'est nous-mêmes qui décidons ce que sont les choses. Mais il y a là une sorte de point aveugle. Nous décidons ce que doivent être les choses, mais en même temps, nous plaquons sur le monde au lieu d'essayer de comprendre le monde. Par ailleurs, il y a tout le domaine de l'écologie, climat, même de l'économie jusqu'à un certain point, qui s'impose à nous. Donc si on fait le compte de tout cela, il y a beaucoup de choses. Il y a ce que nous nous imposons à nous-mêmes, sans savoir ce que nous sommes. Ce que nous imposons à nous-mêmes par rapport à des critères climatiques, etc., démographiques. Mais finalement, au niveau épistémologique, au niveau des sciences sociales, des sciences humaines, on a l'impression que là, nous avons une sorte de trou noir. Savoir que les sciences humaines ne seraient plus qu'en réalité le résultat d'une projection des humains sur le monde.